Je suis en train de nourrir des pauvres clowns sous-alimentés. Ah bon, d'accord. Bon, ben, je vais vous faire un bisou. Un bisou sur le bras. Santé Magazine. L'idée, c'était simplement de passer et de déposer des gestes artistiques dans la gratuité sans attendre d'applaudissements, sans attendre de merci. Enfin, vraiment, juste passer, offrir quelque chose qui puisse un petit peu décaler le quotidien des personnes. Les patients deviennent eux-mêmes acteurs à un moment donné. Voilà, ils se mettent à chanter, ils se mettent à danser. Enfin, c'est que du vivant. Et dans cette déambulation-là, on va offrir des petits cadeaux. On va offrir par le chant, par la marionnette. On va essayer dans un quotidien, dans quelque chose qui peut être routinier, quelque chose d'ordinaire, d'aller mettre de la magie là-dedans. C'est comment, pour une personne qui est là depuis peut-être déjà un mois, qui va avoir son train-train quotidien de rééducation, comment un chant, une danse, une poésie va faire que sa journée va être différente. Ce matin, on a dansé avec des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et on sent que pendant un instant, elles oublient leur douleur et il y a quelque chose qui vient les traverser. Et d'aller offrir ça, pas dans un cadre d'une scène ou d'un festival de théâtre de rue, mais d'aller vraiment offrir ça dans des endroits où on s'y attend le moins. Temerar la brigata. Si temerar la brigata, que van in la camelma. Harabla, 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 ya fani. Odi kera el mangi brigi. Harabla, harabla, harabla. Caralho, caralho,
di querer manche brighi.